Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai envie de dire encore spécial confinement numéro 4. J'espère que pour vous ça se passe bien, que vous ne déprimez pas trop. J'essaye dans mes vidéos de vous dédéprimer, mais c'est pas toujours évident. En tout cas, aujourd'hui on va parler d'un produit, d'une marque que j'aime beaucoup. Vous l'avez tout de suite reconnu bien sûr, c'est le WL Toy 1249. Donc il existe aussi le 1248. J'ai moins accroché, je ne sais pas, peut-être l'esthétique. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la 1249. On va pas seulement parler de ça, on va pas seulement la tester. On va aussi la préparer ensemble, parce que j'ai relevé un petit souci au niveau des amortisseurs, un petit réglage. Et puis, j'ai voulu vérifier quand même la boîte de transmission, les deux transmissions, parce que sur la 14-4001, beaucoup ont dit, oui, la transmission s'use beaucoup trop vite. Alors, moi, je n'ai pas eu le souci, parce que c'est vrai que j'aime bien, moi, régler mes appareils quand je les soit. Donc je vous le montre pas toujours parce que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Il y a des entretiens à faire sur une voiture et la première chose à faire c'est de vérifier les graissages bien sûr. Donc dans cette vidéo on va aujourd'hui voir pourquoi j'ai eu besoin de modifier quelques trucs. Pas grand chose, hein, pas modifier, si vous voulez, c'est plutôt réviser, vérifier les niveaux, entre guillemets. Donc on va voir aujourd'hui comment régler un amortisseur, comment remplir un amortisseur et le régler, et surtout comment remplir les transmissions. De façon à avoir moins de soucis et surtout moins d'usure prématurée. Et bien sûr, juste après, on ira la tester pas trop loin puisque confinement oblige, donc j'irai sur le parking et peut-être à la petite zone qui est à côté de chez moi. Mais ça suffira pour tester ce petit bolide parce que c'est pas un engin qui est fait pour faire du saut de 4 mètres celui-ci, c'est sûr. C'est plus un engin qui est près du sol et qui a une maniabilité d'enfer. Voilà, j'ai essayé rapidement avant de faire mes réglages. C'est pas pour ça que j'ai fait mes réglages parce qu'elles fonctionnaient déjà très bien à la réception, c'est juste pour éviter une usure prématurée comme je vous l'ai dit. Juste avant de commencer et de vous montrer le véhicule, je vais vous parler du concours permanent. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le concours permanent, je remettrai le lien de la vidéo au début de laquelle j'explique comment ça fonctionne. Et pour ce concours permanent, vous le savez, le Tiro 79S a été gagné, il a été envoyé, tous les lots ont été envoyés, même ceux du live. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de colis à envoyer. Je me demande si je ne vais pas devenir partenaire avec Mondial Relais. Et le Tiro 79S et également le Bugs 7 qui avait été remporté. Donc il reste la caméra Akaso Leave No Trace, très bonne petite caméra. Et je vais ajouter au concours permanent la petite Speedix qui est là, la XLF F17. Qu'on n'a pas encore testé, qu'on n'a pas vu encore ensemble, donc on la verra ensemble, j'essaierai de ne pas l'abîmer, parce que j'avais jamais mis de voiture dans des lots, tout simplement. Donc là, moi j'estime que ça va à tout le monde, qu'on soit pilote de FPV professionnel ou le papa tranquille à la maison, on peut tous piloter une petite voiture. Donc, je vous offre pas la WL Toy, parce que vous savez que je suis un grand fan, et que pour moi, celle-ci va rester dans les annales, et surtout dans mes étagères avec les autres WL Toy, bien sûr. Donc on commence tout de suite, vous allez recevoir dans cette petite boîte, la radiocommande vous explique comment ça fonctionne, la voiture toute montée, alors il n'y aura pas cette petite sangle là, moi je l'ai préparée simplement, donc deux petites fentes que j'ai fait au fer à souder pour mettre une petite sangle et pour pouvoir y mettre une petite caméra embarquée. Je ne ferai pas de FPV, oui vous pouvez la modifier pour faire du FPV comme toutes les voitures pratiquement, donc me demandez pas si on peut faire du FPV, oui on peut. Maintenant j'estime que vous savez le faire, on l'a fait sur d'autres voitures et il y a des petites caméras FPV qui sont super simples à installer. Donc dans la boîte on n'aura également pas un support, ça c'est à moi. Donc dans celle-ci il n'y a plus rien puisque je l'ai ouverte, donc on va la laisser là et on va trouver dans cette boîte, donc vous n'aurez pas les pneus, les roues à monter, c'est déjà tout monté. C'est déjà tout prêt. Oh, qu'est-ce qu'elle amortit bien. Mais ça, c'est parce que on a fait les modifs. Je vous explique. Dans la boîte, vous aurez un petit chargeur en USB comme ça. Donc, ne chargez pas sur votre PC portable ou sur votre PC, tout simplement. Branchez directement dans un adaptateur mural, tout bêtement, pour avoir plus de puissance. Et il va falloir à peu près 3 heures pour recharger la batterie. Donc on verra quelle autonomie ça nous donne. On aura également la petite croix, le petit croisillon ici en plastique dur ABS pour pouvoir démonter les roues. Et la petite notice, alors ils ont pris soin de mettre une semi-notice en allemand à côté, mais sachant qu'ils l'envoient en France, il ferait mieux de mettre une petite notice française, ce serait pas plus bête.
Un point de moins, WL Toy. Ouais, direct un point de moins, parce que je voudrais des notices françaises. Voilà. Ou au moins des traductions succinctes. Donc, petite notice en anglais, bien sûr, heureusement, c'est pas du chinois, qui vous explique bien hein, tout comment ça fonctionne, à quoi sert la radiocommande, les outils dont vous aurez besoin si vous voulez faire des modifications ou du démontage. Et ce que j'aime bien chez WL Toy, comme beaucoup de constructeurs maintenant, c'est que vous avez bien sûr tous les éclatés ici pour pouvoir vous repérer et démonter le véhicule si vous avez besoin de changer des pièces ou d'upgrader. Et bien sûr, tout à la fin, les références de pièces détachées. Alors, je précise que toutes les pièces seront compatibles avec la 14-4001. Ça veut dire que vous allez pouvoir upgrade avec des pièces métalliques, si vous en avez envie, avec tous les kits qui sont vendus pour la 14-4001. C'est le même moteur, c'est les mêmes pignons, c'est les mêmes rotules, etc. Donc, vous allez pouvoir changer les bras, etc. et mettre de l'aluminium si vous voulez. Chose que je ne vous conseille pas au départ, utilisez-la de série. Faites juste les bons réglages et les bons entretiens et utilisez-la de série. Pareil, pour ceux qui veulent tout de suite, est-ce qu'on peut mettre un moteur brushless? Est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'on peut... Alors déjà, on va voir qu'elle fonctionne bien. La vitesse est correcte. J'ai pas encore pris la vitesse au GPS, on va le faire aujourd'hui. Mais la vitesse est plus que correcte pour ce petit engin. Et dites-vous bien que si vous augmentez beaucoup trop la vitesse d'un véhicule de ce genre-là, vous allez devoir tout renforcer et au moindre choc avec un trottoir ou ce genre de choses, vous allez éclater du matériel. Ça, c'est clair et net. Donc, n'essayez pas de surbooster les petits véhicules qui ne sont pas spécialement faits pour ça. Si vous voulez un truc qui marche mieux, achetez un véhicule qui marche mieux. Voilà, tout simplement. Donc je vous parle de la radio rapidement. On a un petit volant mousse. Bien sûr, tout est proportionnel et heureusement. Un petit volant mousse, bien confortable, tout petit. Ça veut dire qu'on peut même piloter d'une main pour ceux qui ont l'habitude, qui veulent piloter simplement comme ça. On va avoir un interrupteur de mise en route ici. On a également un bouton pour le steering trim, c'est-à-dire l'alignement des roues. Ça, vous le savez, encore une fois, quand vous allez tout droit, il n'y a pas de calibration ici. Hein. Quand vous démarrez et que vous allez tout droit sans toucher au volant, si votre voiture dérive légèrement sur la droite, vous allez tourner légèrement ici sur la gauche, tout en continuant à avancer, bien sûr, pour redresser sa course et qu'elle aille tout droit. Et on a également un throttle dual rate. Donc ça, c'est bien aussi pour les débutants. On va pouvoir mettre au minimum de la vitesse et elle avance quand même, vous allez voir, et au maximum pour utiliser toute la puissance. Donc là, on va pouvoir réguler, ça veut dire qu'on va pouvoir initier, on va pouvoir s'initier soi-même avant d'aller à fond, essayer d'apprendre un petit peu comment réagit votre véhicule, et ensuite vous pouvez progressivement augmenter la vitesse ou pouvoir initier des enfants, tout simplement, la bloquer au minimum, mettre un scotch, des cadenas, pour pas qu'il touche au bouton, et vous aurez une vitesse réduite. Et donc là, même en cas de choc frontal à vitesse réduite, vous ne risquez pas d'abîmer du matériel, c'est l'avantage aussi. Donc petite radio ergonomique, on a l'habitude de la voir, celle-ci, la M2R, elle a été fournie souvent avec des WL Toy, et elle fonctionne avec 4 piles LR06, tout simplement. Et donc voici le petit Watu, le 12-40-19, ben voilà, beau bébé, moi j'ai flashé sur sa longueur, sur son empattement. Alors, c'est ni plus ni moins que la 14-4001, qui a été rallongée, elle a un châssis beaucoup plus long que la 14-4001. Ah, déjà c'est du 1/12e, c'est pas du 1/14e, mais elle a un châssis beaucoup plus long, alors qu'on va conserver le même empattement et on va gagner un petit peu de garde au sol, comme vous le voyez ici. Moi je dis belle évolution, parce qu'au niveau du pilotage, je vais vous le dire franchement, le jour où je l'ai testé, j'ai reçu les deux en même temps, et j'ai pu tester la XLF, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, celle-ci est super dure à piloter. Quand vous prenez celle-là en main, c'est un bijou à piloter. Elle est ultra souple, elle répond du feu de Dieu, et surtout, elle a une accélération. Alors au début, quand j'ai testé, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est donné pour 60 km/h, on devrait atteindre au moins 40-50, et je trouvais ça un peu moux, quoi. J'étais à la moitié sur le throttle dual rate. Dès que j'ai mis à fond, j'ai fait « Waouh, ça marche !» On va voir ça ensemble tout à l'heure, bien sûr. Donc, beau petit joujou avec pas mal de petites pièces en alu. On a déjà un châssis métallique, ça c'est clair. Et on a des amortisseurs, le même genre que sur la 14-4001. On a ici un support d'amorto qui a l'air un tout petit peu plus fin que la 14-4001, mais dans le même style, toujours. Ce que j'aime beaucoup sur les nouvelles WL Toy, c'est le système de rotule ici, qui n'est pas vissé, ce ne sont pas des vis qui tiennent les rotules, elles sont juste clipsées simplement. Donc en cas de choc, on l'avait vu déjà avec la 14-4001, en cas de choc, on a l'impression qu'on a tout cassé, mais non, les rotules se sont juste déclipsées des emplacements et on n'a plus qu'à les reclipser tout simplement pour repartir.
Alors que si on regarde par exemple sur la XLF, quand je vous dis que c'est pas que WLTOY, mais maintenant WLTOY fait ça sur toutes, je sais pas si vous le verrez ici, sur la XLF c'est vissé, vous voyez, les rotules sont maintenues avec des vis. Ça veut dire qu'en cas de rapport de force, eh bien ça va avoir plus tendance à tordre ou à casser, plutôt qu'à se déclipser tout simplement. Donc c'est ce que j'aime beaucoup. Ça fait pouf, vous avez vu, sur ces petits engins. Donc on a un moteur brushed 550, donc le même que sur la 14-4001, donc ça devrait envoyer au moins autant. Un petit ESC 60A qui marche en 7V4, donc n'essayez pas de mettre du 3S, voilà. J'ai vu une vidéo, il y en a un qui essaye, apparemment ça a fonctionné, je sais pas combien de temps ça va fonctionner, mais il y a de grandes chances que ça grille, donc ne mettez pas du 3S sur cette voiture dans un premier temps, si vous ne faites pas de modification. Le moteur peut tenir, 3S, par contre l'ESC lui ne tiendra pas, donc rester en 2S c'est primordial. Un petit cerveau ici qui est vraiment super souple, et c'est pour ça qu'on a une conduite vraiment très très fluide et hyper réactive. On va voir la batterie ensemble, c'est donc une 7V4, heureusement, là c'est écrit en shintokien, hop, 7V4, 2200 mAh, donc on va voir combien d'autonomie on a avec cette petite batterie, j'espère au moins 10-15 minutes, après ça dépend comment vous pilotez, hein, bien sûr. Tiens, petit conseil, pour le pilotage de ce genre de véhicule, comme vous le voyez, c'est pas des grosses roues, donc n'essayez pas d'aller dans de l'herbe haute, vous allez automatiquement faire forcer, et que ce soit les cardans, que ce soit les pignons, vous allez tout faire forcer, et vous aurez aussi de l'usure prématurée. Donc c'est important quand on a un véhicule de ne pas vouloir faire tout avec ce véhicule. Il est vraiment approprié pour certains terrains. Donc celui-ci, c'est un petit buggy, on va pouvoir faire de la route, on va pouvoir faire du gravier ou de la terre, on va pouvoir faire des petits sauts, style un petit peu course de buggy. C'est pas la peine de tenter des sauts de 3-4 mètres comme on le fait avec des engins qui ont des roues énormes et qui sont bien plus faites pour ça, parce que là vous risquez de casser tout simplement. Donc essayez vraiment d'approprier le terrain sur lequel vous allez jouer par rapport à la voiture que vous avez achetée tout simplement. Donc évitez voilà l'herbe haute, le gazon vous pouvez hein, sans problème, si c'est pas trop haut, mais évitez l'herbe haute, évitez de faire forcer si vous voulez pas de l'usure prématurée tout bête. Bien sûr l'axe central est en aluminium, aluminium rose, rose violet, c'est joli comme tout. Et on va voir que les pignons, alors je me suis trompé, je pensais que c'était de l'acier, mais non c'est encore une espèce de mélange de zinc et d'aluminium pour les pignons et la transmission. C'est pour ça qu'il faut absolument l'entretenir et la préparer si on ne veut pas une usure prématurée tout simplement. On voit qu'on a une grande place ici, donc on va pouvoir mettre des batteries un petit peu plus grosses tout simplement que des 2200 mAh. À mon avis, il y a la place de mettre une 2800, voire une 3000 mAh, peut-être selon le format de la batterie. On a à peu près 10 cm sur 3 cm 2 et la hauteur jusqu'à la barre du châssis est de 2,8 cm. Alors que là, la batterie fait à peine 1,8 cm. Donc on a vraiment de l'espace pour pouvoir mettre une batterie qui contient un petit peu plus et qui nous donnera plus d'autonomie. On a un petit bouton sur l'ESC, ouais je vous l'ai pas dit, c'est un ESC tout en un avec le récepteur ici. Donc on va brancher la lipo, et on allume la radiocommande bien sûr avant et ensuite on appuie sur le petit bouton ici. Même on aura déjà même pu mettre la carrosserie, c'est facilement accessible par en dessous. On appuie simplement une fois et la voiture est prête à rouler tout simplement. Donc on va tout démonter, on va faire les amortisseurs, les deux transmissions ici, et j'ai même mis un peu de graisse également dans la transmission moteur, ici directement sur les deux pignons, et vous allez voir que ça change tout. C'est parti, je vous envoie le montage, et moi je me prépare, et on va aller rouler. Alors je vérifie tout d'abord les amortisseurs, comme vous voyez, là on a une bonne garde au sol, je place une main même sous une des roues, on va aller à fond, l'amortisseur va bien à fond, sans forcément aller en butée, et il revient bien au maximum, pareil de l'autre côté. Je mets une petite cale, et là, l'amortisseur va bien à fond aussi. Donc là, on peut estimer qu'ils sont plutôt pas mal réglés. Par contre, si on regarde l'arrière, j'espère que vous le verrez bien sur les images ici. Là, vous voyez, j'appuie, je suis à fond, et les amortisseurs ne vont pas en buter. Regardez, là, je vais mettre une cale sous la roue de gauche. J'appuie à fond, et vous voyez, l'amortisseur ne va pas à fond. Donc, à mon avis, ils sont trop remplis. Pareil pour celui de droite, je pousse et voyez, l'amortisseur va pas jusqu'en bas. Donc on n'a pas la bonne garde. Et en fait, quand on la lâche d'assez haut, hop, on voit qu'il y a un rebond sur l'arrière qu'il n'y a pas sur l'avant. Donc on va régler les amortisseurs arrière. Dans un premier temps, on va faire les niveaux. Tadam ! Donc c'est parti. On démonte le haut de l'amortisseur. Essayez de prendre les bons outils
si vous pouvez, si vous avez le choix. Ça évite d'abîmer les têtes de vis, par exemple. Et n'hésitez pas à bien regarder le montage, voire même à prendre des photos pour éviter de vous tromper quand vous allez remonter, tout simplement, et gagner du temps. Donc je vais démonter la vis du bas. Je vais retirer la roue pour que vous voyez mieux. Pareil, quand vous démontez une roue de voiture, prenez l'habitude de mettre la voiture sur le côté, carrément. Ne la laissez pas à plat, parce que vous allez pouvoir faire tomber des petites pièces. Je remonte un peu. Hop, mettez-la bien debout comme ça, quand vous la démontez. Et généralement, quand il y a des pièces qui doivent rester en place, vous voyez, comme ici, on la voit, il y a une petite goupille qui est là. Là, je sais pas si vous la verrez comme il faut. Vous voyez, on a une petite goupille, juste là. Donc si vous démontez à plat et que la roue se trouve dans l'autre sens, vous allez tout de suite faire tomber la goupille. Donc ça peut rebondir sur la table, aller par terre, etc. Donc là, vous vous évitez quelques soucis, donc n'hésitez pas. Retirez tout de suite la petite goupille et placez-la dans son emplacement, dans le croisillon de la roue, tout simplement. On va pouvoir démonter le bas de l'amortisseur. Donc là, on n'a pas d'écrou de l'autre côté. Donc vous voyez, comme je vous disais, ici, si j'appuie fort, là, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller jusqu'à la garde, donc les amortisseurs n'ont pas vraiment une efficacité terrible. Donc hop, je vais sortir mon ressort, tout simplement, hop, voilà. Et maintenant j'ai une petite empreinte ici qui me permet de maintenir l'amortisseur comme il faut. Petite pince avec un arrondi, c'est pas plus mal, hop, pour venir serrer le haut de l'amortisseur. Serrez pas trop fort avec les mains, et on va juste le débloquer sur un demi-tour, voilà, et normalement, ça devrait venir à la main. Tac ! Et voyez, comme je vous disais, il est archi plein. Il est bien rempli, bien de trop, et c'est ce qui empêche la compression, tout simplement. Donc, on va se trouver une petite gamelle. Donc, je vais y mettre là du 70 que j'avais pris chez Atiz. Je vous remettrai les liens, mais vous en trouvez un peu partout, hein, et puis pas forcément du 70. On va pas aller jusqu'au bout. Hop, on va le faire fonctionner un petit peu pour chasser les bulles d'air. Et j'estime que je suis pas trop mal, je vais pas aller jusqu'en haut. Donc je vais tout de suite faire un test, je referme. Donc attention, allez-y doucement avec le filetage. Voilà, là j'avais jusqu'au bout, mais je sens que c'est beaucoup plus dur quand j'arrive en bout de course. Et là on est pas mal du tout, je pense que ça ira. Là, on a bien l'effet d'amortissement. Je fais pareil sur l'autre et on voit ce que ça donne. Pour remonter la roue, on replace d'abord la petite goupille, toujours à la verticale, bien sûr. On va venir replacer ici le petit support avec les emplacements de la goupille. Et ensuite, on peut venir remettre la roue, tout simplement, qui va venir se clipser dans l'hexagone. Impeccable. Et donc voilà, les deux amortisseurs sont remontés, sont réglés. Regardez donc la différence maintenant. Si je mets une cale, on voit bien que... On va bien... Hein, on voit pas. On va bien au bout, hop, sans problème, de l'amortisseur. On a bien la résistance quand même. Mais on va bien au bout de l'amortisseur. Et maintenant, si je la lâche, vous voyez la différence. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus amorti qu'au tout début où on avait l'arrière qui rebondissait un petit peu. Donc voilà pour les amortos. On va s'attaquer maintenant aux transmissions. Repérez bien vos vis. À quel emplacement elles vont. C'est celles qui maintiennent directement la boîte. Ensuite, on a celle de devant. On est retenu par les amortisseurs. Je vais les enlever d'en bas. Il n'y a que deux vis. J'aurais pu prendre la visseuse, hein. J'aurais gagné du temps. On va retirer la barre là qui nous gêne. Voilà, là on a accès maintenant plus facilement. Et là, automatiquement, on a accès directement à la transmission. Ouais, je vois tout de suite qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de graisse à l'intérieur. Et on va l'extraire. Maintenant, il n'y a plus rien qui gêne. Le voilà. Donc ouais, franchement, il y a une petite traînée de graisse ici, mais pas sur les dents. Donc nous, on va en mettre sur les dents, tout simplement. Et je vais ouvrir pour en mettre à l'intérieur, parce que j'entends. Normalement, si ça fait ce bruit-là, c'est qu'il n'y a pas assez de graisse non plus. Donc on va ouvrir l'intérieur. Tac. Et voilà.
Et oui, comme je vous disais, ça manque vraiment de graisse à l'intérieur, c'est clair. Donc ben là, on va pas y toucher, on va simplement... Donc moi, j'utilise de la graisse EP2. J'ai un truc spécial transmission. C'était ça, silicone diff hole. Petite graisse à roulement, à cardan, à tout ce que vous voulez. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de graisse au silicone. Donc on va pouvoir refermer. Tac. On vérifie que c'est bien souqué comme il faut. Donc là, ça aura pas tendance à chauffer énormément. Hein, donc on va pas acheter de la graisse exprès. Si vous avez de la graisse pour la chaîne de vélo, ça fonctionnera parfaitement bien. Voilà, là j'ai bien graissé sur tout le pourtour des dents. Même s'il va y en avoir automatiquement quand on va mettre en contact avec l'autre. Mais sur le dessus, je fais tourner les roues arrière. Hop. Et je fais l'autre côté. On replace bien les rotules. Sinon, il faudra redémonter pour remettre ça comme il faut. On est bien remis en place. Pas de souci. On va pouvoir refermer. Donc, je remets tout ça en place et on se retrouve à l'arrière, bien sûr. On va pouvoir mettre un peu de graisse hein, ici également, dans cette transmission-là, qui va direct au moteur. En fait, vous pouvez retirer le haut des amortisseurs, ouais, vous aurez peut-être plus de place pour passer là, mais bon. On a ouvert notre transmission comme tout à l'heure. Donc voilà, j'ouvre à nouveau et je remets de la graisse à l'intérieur, je remets de la graisse sur les dents et bien sûr je remonte comme tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, je vais en profiter pour graisser un petit peu le pignon moteur. Ça mange pas de pain. Allez, je remonte tout ça et on va pouvoir aller tester. Et voilà, c'est remonté, ça change tout. Et maintenant, même le bruit, écoutez. Voilà, une fois que tout est graissé, les transmissions, le pignon moteur, je le fais de plus près. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. Allez, let's go. Je mets en route la radiocommande, j'appuie sur le SC. Tac. Nous sommes bien, c'est tout doux, ça répond tout seul. Alors comment ça réagit sur un terrain de pétanque? Je vais pas mettre trop fort, ici, je vais mettre à la moitié. Et déjà à la moitié, ça répond plutôt bien. Alors bien sûr on peut y aller en douceur, garder l'accélération constante. Elle est super précise. Sur du gros gravier, ça réagit plutôt pas mal. Les amortisseurs travaillent bien. Je suis assez content. Il va falloir que je règle l'alignement des roues tout de suite. Donc je vais tout droit et je vois qu'elle tourne à gauche. Donc je redresse un peu à droite. Je vais tout droit. Voilà, ça a pas l'air mal. On va tout droit. Et là, ça reste droit, c'est plutôt correct. On va pouvoir aligner. Ah, je ferai pas de gros saut avec celle-ci, hein, vous le savez. Je vous l'ai dit. Allez, on va aller sur le parking. On va mettre en route la petite caméra. Allez, c'est parti. Vitesse minimum pour commencer. L'alignement des roues est bon. Là, je lance à fond. Je suis à fond sur le throttle. Donc, vous voyez, c'est vraiment la vitesse idéale pour débuter. On a un bon angle de braquage, regardez. À faible vitesse, donc bien maniable. Les amortisseurs travaillent vraiment bien, on a une bonne garde au sol. Donc même sur un mini saut comme ça, là on voit tout de suite que les amortisseurs réagissent bien. Bam, ça s'aplatit tout de suite. Donc pas mal pour la première vitesse. On est au plus bas. On va mettre à la moitié.
Tac. Alors, je vais lancer mon GPS. Start. Tac. Donc, normalement, c'est parti. On est à la moitié de la vitesse. Donc, déjà, ça réagit plutôt bien. Ah, il y a une voiture. Une bonne réaction. Elle tient bien la ligne droite sans problème. Bonne accroche. On va tout de suite aller tester la vitesse de pointe. On va aller sur la ligne droite là-bas. Elle reste bien droite. Allez, on va mettre en vitesse max tout de suite. Démarrage. Là tout de suite, ça change tout. Donc allez-y progressivement parce que vous pourriez être surpris en augmentant la vitesse, en partant tout de suite à fond. Freinage, marche arrière. Elle freine bien. Bien réactive. Alors, on va pouvoir se tester une petite vitesse max. Elle a l'air de bien tenir sa ligne. Ouais, elle tient super bien le pavé. Elle reste dans l'alignement. Moi, j'opterais pour un 50 km/h. Freinage est correct. On va revenir sur le gravillon. Ah, cascadage ! Ben, on va vérifier la vitesse. Tac, donc stop tracking. Read, c'est PEMS. 49 km/h. Eh ben écoutez, j'étais pas loin, j'avais dit 50. Donc 49 km/h, 50 km/h. Eh ben c'est plutôt correct. Elle est donnée pour 60. Donc franchement, pour une fois, on n'est pas super loin de la donnée constructeur. Ça fait plaisir. Donc 50 km/h avec la batterie d'origine en 2S, c'est plus que correct. Ça va, tu perdras qu'un demi-point sur ce coup-là. Allez, on va aller voir ce qu'elle vaut sur... un revêtement un petit peu moins stable. En tout cas, elle a une bonne accélération. Qu'est-ce que ça donne sur le bitume? Ça drift aussi. Ah, carrément. Ah, bonne accroche. Vraiment super maniable. Quand on y va tout doux sur le throttle. Bam! Allez, ça c'est fait. On va se faire un peu de off-road. Donc là, l'herbe est un petit peu trop haute pour elle, selon moi. Bien sûr, elle passe, ça c'est clair. Vraiment une super bonne stabilité. Donc elle n'a pas des routes tout terrain hein, par contre. Elle a plus des roues adaptées à du petit gravillon ou à du bitume. Vous voyez la stabilité même sur du off-road. J'apprécie vraiment. Alors, les amortisseurs font un super taf, c'est clair. Il n'y a pas de décollage du train arrière.
J'ai vu d'autres vidéos de celle-ci, et c'est vrai que sur des petits sauts ou sur du off-road, le train arrière avait tendance à être chahuté. Allez, hein, belle cascade. Belle petite bombinette, franchement. Moi, je la préfère largement, hein, juste déjà par rapport à la longueur. Je la préfère largement à la 14-4001, qui était déjà un super petit véhicule. Là, on a vraiment une super réactivité. Ça part tout de suite. Donc, les sauts sont autorisés, hein, bien sûr. On va pouvoir faire des petits sauts avec celle-ci, c'est clair. Maintenant, je ne conseille pas les gros sauts. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas vraiment équipée pour ça. Bon, l'autonomie a l'air correcte pour l'instant, ça tient bien. Je voudrais voir comment elle réagit en fin de batterie. Là, on a vraiment une superbe accroche. Elle s'arrête bien. Et là, j'ai confiance dans mes transmissions. Allez, on va aller se faire un peu de gravier. Même sur du gros caillou, hein, ça y va. Allez, the donut de la mort qui tue. Hein. Boom! Choc frontal avec la planche. Tout va bien, c'est pas déclipsé. Eh ben, autonomie plutôt correcte, hein. J'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de puissance pour l'instant. Même à fond en virage, bien sûr, elle tourne moins, mais elle accroche, elle cabane pas. Freinage à l'équerre, ça bouge pas. Elle a vraiment une bonne traction, enfin une bonne propulsion plutôt. Et elle s'écrase tout de suite. Le freinage est progressif, par contre, si on veut s'arrêter plus vite, il faut braquer les roues en même temps. Non, beau petit bébé, hein. Franchement, très très bonne petite caisse pour ceux qui aimaient la 14-4001. C'est une belle évolution. Moyen de faire des beaux dérapages, des beaux drifts. Ça y est, je suis en fin de batterie. Elle s'est arrêtée toute seule, donc j'insiste pas. On va vérifier la température moteur et température des ESC. Le moteur est chaud. Le moteur est assez chaud, c'est sûr. Les ESC aussi. C'est un peu chaud aussi. Donc, voilà pourquoi, hein, ne pas utiliser de la 3S. La 2S suffit déjà à faire chauffer un petit peu
Donc on sent même en dessous là, hein, que c'est un peu tiédo sous le châssis métallique. Par contre le moteur est bien chaud quand même, hein. Je resterai pas pendant 30 secondes les doigts dessus. Mais là on lui a demandé ce qu'il fallait, j'ai envie de dire. La batterie est à peine tiède, donc ça va, elle n'a pas dû trop forcer. Donc voilà les amis pour cette petite 12-40-19, franchement beau bébé encore de chez WL Toy. Moi j'aime beaucoup parce que c'est fiable, ça fonctionne bien et plus on avance, et ben écoutez, plus le rapport qualité-prix est vraiment correct. On est à moins de 100€ sur ce petit joujou. Donc oui, je vous le conseille naturellement si vous voulez évoluer de la 14-4001 ou si vous voulez un bon concurrent sur le circuit. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je remets une petite batterie et je fais quelques petites images. Allez, moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien encore une fois et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.